Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour Fakes Friday, South Nature Worlds in Tribulation. J'ai toujours l'habitude de dire Justice for All, je ne sais pas pourquoi ce jeu est marqué. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir l'épisode 3, la recette de Volteface. Dans le dernier épisode, nous avons découvert que Masque le Masque a fait les choses. C'était lui qui avait tué Monsieur. Buller, voilà. Monsieur Buller de KG Sécurité. Et on a un magnifique Godot. Godot qui a bu trop de café. Et donc, sans plus attendre, la suite du jeu. Bon bah game over, voilà fin du chapitre, c'était génial, hein, on adore ça, ah là là, jeu de mots, je t'adore le jeu, allez petite blague comme ça, putain. Ta gueule, tu dis plus jamais ça. Mais c'est mon cher ami Dick. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Ah, c'était une blague! Allez! Ouais! Le jeu, quoi? On dirait ma tête. On dirait ma tête. Pardon? Excusez-moi. Excusez-moi. Il semblerait qu'il y ait problème. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai envie de dire qu'est-ce que la baise, n'est-ce pas? Mais comment? Je veux savoir. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, moi? Je devais être bourré. Un imposteur.
Maya, c'est toi qui as voulu me faire une blague. Ah, quelle petite cachotière, quelle petite blagueuse, Maya. C'est pas toi, merde. Eh ben, je veux comprendre, évidemment. Je veux savoir, je veux qu'on me dise quel est le fuc. Calme-toi, putain. C'est la baise. Mais non, mais je l'ai jamais pris ton affaire, putain. Mais je veux comprendre. Quoi? C'est un flashback ou c'était une vision? Je comprends pas. J'ai des noms en tête. Genre plein. Oh non. Alors par contre, le son de l'émulateur est en train de faire de la merde. C'est trop bien. Si ça se saurait de toute façon si je faisais de la qualité, hein, n'est-ce pas? Ouah, il y a deux Pikachu sur le fond. C'est trop mignon. Ouais, par contre là ça fait un peu de la merde le son. Ou alors peut-être que j'ai remonté un peu trop fort le son, ce qui fait que c'est normal. Vas-y, moi je veux voir, regardez, il y a une version bleue, il y a un rose. Waouh, originalité. Ça va un peu loin. Le symbolisme. Là par contre, il y a un carnet. Lol. Bon bah on va se barrer. Voilà, on va s'en aller. Voyons voir ce fameux coupable, enfin cette fameuse personne que j'aurais défendu avec des guillemets. Mais c'est pas moi, putain. On s'est déjà vu. Je crois qu'on s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Où est-ce que je t'ai vu? Je sais que... Attends. Alors, attendez. Je vais essayer de retrouver son... Je sais que j'ai déjà vu elle. C'était dans la première affaire du deuxième jeu. Comment tu t'appelles, putain? Maggie l'oiseau, je savais. Flashback. Maggie l'oiseau. C'était la policière que j'avais défendue une fois. Accusée d'avoir assassiné son amour. Un agent de police, lui aussi. Voilà. Pour ceux qui prennent en chemin... Je vous renvoie à l'épisode 1, à l'affaire 1 du second jeu. Mais j'ai rien fait, putain! Mais calmez-vous!
Oh, c'est bon. Ouais. On va discuter de qui peut-être. Comment vas-tu? Allez, ça va? Mon Dieu, des nouvelles pauses. Oh, trop de changements. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est beau. Monsieur l'avocat. Waouh. Votre jeu, jusqu'à ce que je découvre le prénom de Monsieur l'avocat, c'est de trouver le prénom qui fait un jeu de mots. Attention, ça est dur. Bellissima, c'est très stéréotypé. Les hommes étaient assis, je me souviens qu'il y avait Vegeta. Je crois que c'était lui parce qu'il avait un compteur d'énergie à son œil gauche. J'ai rien fait. D'ailleurs, la musique qui a complètement bugué peut te le dire. Alors, dis-moi tout. Comment s'est passé ce procès nul? Le meurtrière, bien sûr. Waouh. J'étais pas là. J'étais pas là. Oh, hein, non mais où, hein? Et c'était du poison. De poison. Comment je suis trop fort. Ce qui est possible. Vous remarquerez cependant que la partie pour prendre la tasse est verte. Alors que nous sommes techniquement dans un souvenir que tout devrait être blanc et noir. Et gris. Donc, c'est pas bon. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis allé trop vite. Mais qui était l'autre personnage? Merci, c'est ce qu'il me fallait.
Je n'ai pas raqué. C'est pas moi. C'est pas du tout moi. Bon, ben je... Si. T'as vu, il y a un article sur ma gueule. Mais non, mais putain, j'étais pas là. Oh. I am. C'est drôle, n'est-ce pas? LOL, rigole, putain. Ah, c'est pas moi du tout en fait, je veux dire. Voilà. Je suis en épi. Non, je ne vois pas qui cela peut être. Ouais, il a l'air surprise. Même Boulet aurait pu dire que c'était pas moi. Évidemment, il tient à son nom de famille, évidemment. J'en sais absolument. Bah si, en fait, on a déjà réussi à faire ouvrir des procès qui ont été résolus il y a 15 ans. Donc c'est bon, pour un an, je pense que c'est le minimum que faire, n'est-ce pas? Oui, qui passe? Je sais pas. Et ça, c'est beau. Une leçon de vie. À ne jamais oublier. C'est beau, putain. D'accord. Pourquoi tu dis mon nom à l'envers, mon prénom à l'envers en fait, ça sert à rien. Ok, si tu veux. J'avais juste... Non, c'est bon. Ok, donc mon affaire, je l'ai, c'est bon. Très rose. Un peu trop même. C'est pas du tout la musique pour un moment comme ça, mais bon. J'aime bien. Gagné. D'ailleurs, première chose, pas discrète. C'est quoi ça? Non, mais derrière, on est pas revenu. Ça alors, il y a un truc coincé. On n'avait pas du tout regardé. MC Bomber. Pas d'accord à 100 000, une bombe, ha ha ha, masque de masque, quoi?
Alors ça c'était pas ce que je voulais faire. Bon, bah là, il n'y a rien. Passons de l'autre côté, là où il y a le superbe bandeau. Ne pas venir, scène de crime. Oh là là, c'est dangereux. Apparemment. Déconnons aussi. Et donc nous voici pour la scène du crime. Ça a sans doute été fait ici. Ça explique pourquoi elle n'a pas été lavée il y a plus d'un an. Ouais, ça me semble logique. Parce que... Inspectons. Bon, ça c'est joli. Oh, des fenêtres. Ouais, je vois rien d'autre à part cette superbe chose. Ça c'est l'entrée, ça c'est ce nom. Ah, ça ne désigne pas l'entrée, donc ça je l'ai pas vu. Ok, je ne vois pas, je ne sais pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. On va aller voir si Dick est revenu. On va passer par son de détention obligatoirement. D'ailleurs, je vais te présenter la preuve, toi. Le quotidien sportif. Non, il a perdu son titre. Sans doute. Même c'est bon bail, c'est un nom qui est inscrit. Eh oui. C'est ce que je me disais. Ah là, le micro n'était pas sinistre rendu, la suite des choses. Peut-être. Non, 100 000 euros, tu fermes ta gueule, toi. C'est pour ça. Eh oui! Et oui, c'est important. Sujet de conversation? Non. Ok, on se barre. Bon, affaire criminelle. Non. Non, d'accord. Bon, bah, non. Il me dit non, hein, donc... Ah, peut-être, chez moi? Non plus, ok. J'ai oublié de passer au centre de détention pour passer au Bellissima. Ah, il se passe quelque chose. Attention, il se passe des choses. Super important.
Mais c'est Armstrong. Ou un cousin éloigné. C'est un cousin éloigné de la famille Armstrong, évidemment. Ce que vous venez d'entendre, c'est la circulation. D'accord. Ah, moi, oui, moi je veux oui. Je veux rien dire. Luigi la Boca. Ok, je te fais confiance. Beauté naturelle. La beauté naturelle, évidemment. Ah ouais, bien sûr. Sac à merde. Non, non, mais je m'en fous de mon menu du jour. Tu le savais déjà. Merde. Ah, c'est zut. Arrête de dire mon prénom à l'envers, c'est chiant. Luigi la Boca. Pia Céré. Ah, c'est peut-être bien enchanté. Bonjour, est-ce que tu veux arrêter de montrer tes muscles? Je pense que ça veut dire beau alors. Je sais pas. Moi je dis ça peut-être dire beau. Hein, au pif. C'était un cliché raciste. Merci le jeu. Moi je soulage leur âme avec des questions directement dans leur torse. Alors Luigi, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé il y a un an? Parce que ça fait un an. Un mois? Ou un an? Je sais plus. Un mois. Putain, mais en fait, j'ai dit que de la merde depuis le début. J'ai mal lu. Le vieil homme, ah bah, un vieil homme, lequel, mais dis-moi tout putain, vas-y, après on prend des pattes ensemble si tu veux, c'est absolument raciste putain. Ah bah dis-moi, qui de dire que tout le monde est seul, putain. Bah c'était pas moi en fait. Eh ouais, c'était une prank, une private joke, tu vois.
Bon, bah. Comment on veut l'épreuve? Où est mon mégatana? Putain. Perle! Espèce de petite chaparleuse. Merci, toujours un plaisir dans ma critique. J'étais cool, j'étais beau. Oui, merci, c'est flatteur. C'est flatteur. Bon, admettons. Ok, tranquille. Pif token. Main dans ta gueule. Trop bien. Bon bah, je reviendrai. Attention, je rigole pas. Je reviendrai. Clin d'œil. Bon, est-ce que Tectiv est revenu? Oui, non, non, non. Décevant. Se passe un truc chez moi? Non, elle est où, Perle? Putain, revenons, mon Megatana. Oh, les mauvaises affaires. Bon, peut-être que je dois inspecter quand il est là. Ce qui me paraît normal. Je vais juste me décaler à côté. Voilà. Non, non, ça marche pas. Là peut-être. Toujours pas. Là ici. Non plus. Et c'est la joie. Là y'a rien. Bon, bah de l'autre côté alors. Prions pour l'autre côté. Prions. Ah ah, je savais. D'accord. Ok, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert encore plus à rien. Bah trop bien. Franchement, je sais pas. Je te prie de présenter ça, oui. Non, non, c'était pas ça non plus. À moins que, parce que j'ai complètement oublié qu'on pouvait faire ça, je les présente des profils. Et c'est super important de présenter des profils. Donc là, attends, profil, c'est celui-là. Pour des raisons indépendantes. Et ouais. Il est au courant de tout en même temps, mais c'est le patron.
Ah, drôle. Pardon? Excuse-moi. On ne s'est pas bien compris. Tu as dit que... Pardon, excuse-moi, tu peux redire? Excusez-moi. Bon, eh ben mon copain, on va pas être amis en fait, hein? Oh. Ah, tu vas me dire ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Sinon, je te pète tes dents et je te coupe les cheveux. Au ciseau. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Vite. Je vais te défoncer. Tu vas prendre tellement cher dans tes dents, putain. Ah, on est d'accord. On est d'accord, on est complètement d'accord là-dessus. C'est qui, Louis? Avec des vitamines. Arrête de bouger ton ventre, s'il te plaît. Où est le Migatana? Qu'est-ce que j'en ai fait? 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 Il est pas. Il est où? Où est-il? Oh, ok. C'est moche. Alors, indice chez vous, je vois une connotation sexuelle. Salut monsieur, vous voyez une bite. Et c'est pas mon esprit qui joue les tours, parce que c'est ce que... C'est la connotation. Dommage. Regardez, un homme pas content. Voyons voir ce deux, voyons voir. Super intéressant les offres d'emploi. Je savais tout lire. Je savais. Bonjour, Billy. Vieux utilise pâle graine. Ce n'est pas efficace. Ça parle mal. Popopo. Ersatz. Un boui-boui. Bon, ok, très bien. Non, mais c'est bien parce que tu es un habitué en fait.
va pas le faire. Ça va pas le faire. Non mais mec, je n'ai plus mon magatana. Pourquoi? Oui. Je vais décider. Écoute Billy, t'as peut-être tes graines, mais moi, j'ai ton magazine. Je rigole pas. Attention, serious business. Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. On va tout essayer, parce que c'est drôle. Parce que c'est comme ça que ça marche. Cette bête m'a l'air suspecte. Ces pigeons aussi. La musique, je la trouve cool par contre. Regardez là, il y a un pigeon blanc. Un château de sable, évidemment. C'est là où il faut chercher. Je teste des trucs. Toujours chercher. Et je peux pas me présenter moi. Ok. Je ne vois pas. J'ai pas de vieillon avec moi. Zut. Ouais, mon Megatana. Actuellement, je réfléchis activement. Je ne sais pas quoi faire là. Je ne sais absolument pas quoi faire. Non, présenté. Alors, il fallait faire ça. C'était donc une blague? Oui. Bon, bah... Donc, ça veut dire que le jeu a été modifié. Normalement. Ah bah voilà. Au moins que j'ai un autre dialogue.
on va chercher. On va chercher. Où l'ai-je paumé? Où l'ai-je paumé? Non. Si. Non plus. Tant de questions existentielles dans la tête de Phoenix Wright. J'ai paumé où mon Megatana, vas-y dis-le-moi où il est. Il est où, il est où, il est où? Un endroit que je n'ai pas regardé. Ouais, mon Megatana. Bon, il ne doit pas être là. Le centre de détention, évidemment. Évidemment, je le savais, je le savais. Ah, je le savais, je vous ai rien dit, mais je le savais. Hein. Voilà, bon, voilà. Voilà. Bon, alors, on va continuer de se déplacer. Puis on va retourner aux affaires criminelles. Si aux affaires criminelles, il n'y a personne, et bah si, il y a un trigger, hein. C'est que maintenant qu'il y a un trigger. Non. Ok. Yay. Yeah. Ah, tu es drôle. T'as un petit marrant, Dick. Allez mon gars. Allez. Je demanderai plus tard. Markram. Ah ah ah, tu le sens le jeu de mots. RAM, informatique. Hein, hein. Rigole putain, c'est drôle. Mais j'en sais rien. C'était quoi le mobile? D'accord. Une enquête. D'accord. La plupart du temps.
Quelles sont les contradictions? Évidemment, on me dit 2, puis 1, puis 2, puis 1, puis encore 1, puis maintenant 2. Voilà. Est-ce que Maggie Loiseau avait pris de la drogue? Une possibilité à ne pas écarter. Bien, Billy, tu m'as aidé. Maintenant, je vais te... Non, je vais pas me dépasser. Je vais te demander de me... dire ce que c'est cette copine, de te montrer les trucs, voilà. Intéressant, dis donc. Trop bien même. C'était drôle. Ah, ce sacré Dick, il tient vraiment bien son prénom. Bon, d'accord, tu me l'as pris. Non, en fait. Petit sujet de discussion, non, très bien, je m'en vais. J'ai dit que je m'en allais. Alors évidemment, pour ceux qui ne se souviendraient pas, les sessions de Phoenix Wright, ça dure au moins une bonne heure. Alors, un peu tardivement, allez vous chercher un petit café ou un petit thé, hein, pour être posé. Et puis, regardez. D'ailleurs, je vous recommande aussi de la regarder en plusieurs fois parce que là, bon, là, c'est le Serious Talk. Une étude YouTube qui n'est pas du tout, on va dire récente, mais presque, a démontré que des vidéos de plus de 20 minutes, on avait du mal à les regarder en plusieurs fois. Ce que j'approuve moi-même. Voilà. Le vieux Kev, non, en fait, je peux rien dire. Faut que je retrouve mon Megatana, et ça, c'est chiant. À moins que j'y ai un trigger au cabinet d'avocat. Ce qui ne m'étonnerait, mais pas du tout. Alors, attention. Eh ouais! Eh ouais, tiens, je le savais. Je suis trop fort, moi. En fait, non. En fait, pas du tout. Ah, c'est drôle. Retournons au Bellissima. Parce que... Que faire? J'ai déjà tout examiné.
Tu m'étonnes. Je présente. Non, tu veux pas. Ah, attends. Même pas. Raté. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Non, je ne ferai pas de cut. Je vois pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Bon, bah non, y a rien, évidemment. J'ai pas présenté Marc Ram. À moins que je sais plus si... Non, c'est pas toi qui me l'as présenté, profil. Non. Ah bah voilà, attends, on a peut-être un truc là. Ah toi aussi t'as filé un flacon ? Ah, ça y est, c'est de ça. Oh. Allez, dis-le-moi. Allez, dis-le-moi. Allez, pas de secret. Salaud. Allez, ok, activez un trigger. Trop bien. Ouais, allez, Carsos, Carsos. Ah oui, il faut repasser par les mêmes endroits chiants. Hein. Ah, des folies, je fais une exploit. C'est décevant. Oui, un trigger. Oui, enfin. Oh, bonjour. D'accord. Très bien. Bonjour. Ah, ça m'aura... Oh non, mais... Ah, ça, salut Ouais, trop bien, sauf que je suis aussi un petit peu ton mentor. Ouais, je peux parler à ton supérieur temporaire, s'il te plaît. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voudrais te parler. Est-ce que t'as retrouvé mon Megatana, s'il te plaît? elle sait d'avoir de l'argent, petite. Ouais. C'est drôle. Ça parle mal, ça parle mal. Elle a dû répondre. Enfin. J'ai rien fait. Ok.
Ok. Bon bah. Ça revient avec. Oh, c'est beau! Oh putain, c'est trop beau! C'est la beauté! La langouste! Verdict de Phoenix Ramsay. Ça a l'air. C'est. LOL. Quoi? Pardon? C'est moi? Bah, allons-y à la cuisine. Allons-y. Faut que j'ai voyé cette cuisine. Tu vois ce badge? C'est fini. Je deviens Phoenix Ramsay. Il est là. Il est là. Dégage Maya, Je veux. Je l'ai vu. T'inquiète, je sais exactement ce que je veux. Il est là. Mon précieux. Bon, donc de la sauce, des... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais te fous pas de ma gueule, Phoenix, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est les flocons, ok. Un des flacons est vert. Waouh. Je le prends. Quoi d'autre? Pas étonnant. On dirait sa maman. Enfin, je pense que c'est le nom de sa mère. Alors, attention. Interprétation. Prenez ma verre. Comme Edward Actol dans le film, les cafés refroidis dans la tasse. Les petits liens se sont envolés, triste dimanche matin. Les cocktails si délicats bleus. Avale ta dernière gorgée de thé, car je sais quoi faire. Je dois te mentir, j'ai les doigts. C'était une interprétation dégueulasse. C'est très la poésie. C'était pas ici que je voulais aller, c'était sur les casseroles. Attendez, les casseroles. Ouais, donc en fait, non. Ouah, le jeu ralenti du cul. Je reviens dans quelques secondes, chers amis. Je suis désolé pour ce petit problème technique. Voilà, normalement c'était juste un petit problème de son ou de vitesse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on reprend. Ok,
Ok, donc en plus ça me servira à venir ici. Donc on retourne à l'entrée. Et je vais me barrer parce que j'ai un vieux à interroger. Il y a un scooter. T'as fini? Waouh! Comment il est méchant! Pardon, excuse-moi. Pardon, j'ai mal entendu. Quoi? C'était mon double maléfique méchant. Comment ça va chier les bulles? Oh le vieux putain! Voilà une discussion, putain. On va causer serious business, mon gars. Toi aussi. Oh. Je pense que j'ai tout pour deviner. Allez. C'est parti. Mais vous savez ce qu'il reste à faire. On y va. It's time to do. Il est temps que vous me disiez la vérité. Pourquoi vous rendez-vous régulièrement dans ce restaurant que vous haïssez? Vous avez vraiment besoin de vous demander. Pourquoi va-t-on au restaurant? Pour y manger, non? Pour y manger? Est-ce bien la vérité? Que voulez-vous dire par là? Je ne crois pas que vous alliez dans ce restaurant pour la nourriture. Vous êtes un mal poli! Comment osez-vous m'accuser? Et vos preuves, hein? Je crois qu'aucun être humain choisirait d'aller manger dans ce restaurant. Parce que le menu du jour. La preuve se trouve dans le menu du déjeuner. C'est le menu 20 sur 20! La nourriture du Bellissima est exécrable et hors de prix. Vous vous trompez, c'est pas cher. Hein? Comment? Je suis riche, j'ai hérité d'un gros pactole quand j'étais gosse. Je suis plein aux as, moi. Eh ouais, mon petit. Je n'ai jamais eu à travailler de ma vie, sauf pour donner à bouffe aux pigeons. Quel mythomane. Le goût, c'est autre chose, mais le prix, je m'en fous. Donc vous alliez là-bas pour jeter votre argent par les fenêtres. Exactement. J'ai tellement de sous que je me prends un bonheur tous les jours. Malheureusement, c'est un gros mensonge. Quoi? Vous n'avez pas d'argent jeté par les fenêtres. Vous êtes fauché comme les blés.
C'est bien à vous, n'est-ce pas? Mon magazine! Pourquoi un riche retraité chercherait-il un emploi? J'étais... Ah! Et alors? Je cherchais du boulot. Je dépense pas mal en ce moment. J'ai besoin de liquide. Oh. Je vais pas au restaurant pour la bouffe. Je vais juste pour le cappuccino. Ouais. Je crois que vous voulez dire cappuccino. Et combien est-ce qu'il coûte? 8 euros. À ce prix-là, j'espère que les grains de café sont en or massif. Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous croyez qu'un vieil homme devrait se contenter de l'eau du lave-vaisselle? Hein? Non, ce n'est pas ce que je pensais. Je me demandais si le café était vraiment si bon que ça. Non, pas exactement, mais... Bref, j'avoue, plusieurs journaux ils sont gratuitement mis à disposition chaque jour. Des journaux? C'est bien ce que je dis. On me vient de chez moi, alors je vais lire au resto. Je suis désolé, monsieur. Mais il n'y a pas de journaux, bellissime. Il est pas sur mon journaux. Tic-tic-tic-tic-tic. Quand je récupère ma couleur de... Je n'ai pas cette preuve. J'aimerais enquêter davantage, récolter plus dans la liste avant de retenter ma chance. Détective. Putain, détective, rends-moi ma coupure. Je suis obligé de passer par son nid de tension, trop bien. Détective, 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 tu m'as pris ma coupure de journaux. Rends-la-moi, vite. Quelle pose de tarée de merde. Vite, rends-le-moi, putain! Et alors? Qu'est-ce qu'il dit? Parfait. Parfait! Génial! Oh, je mets un coup dans le micro, je suis désolé. David! Justement. Et j'ai un truc qui pourrait t'intéresser également. J'ai un liquide vert. Pas du tout. Ah bah, drôle. Le secret... A trop une twist. C'est quoi le secret? C'était dégueulasse. Sérieux? Quoi? Merci. Je garde. Du coup, j'ai mon magazine, mais j'aimerais te présenter d'autres trucs. Un super scooter. Ah non, excuse-moi. Ah oui, oh oui, oh oui, attends. Ah putain, je l'ai pas avec moi. Je reviens, mais je te jure, j'ai vu un truc de ouf malade. Hein. Je suis un mec qui s'était pris pour moi. Non, mais tu crois à ça? Un mec qui se prend pour moi. Je veux dire, on aura tout vu. Non, je veux rien te présenter, toi. Bon, le vieux, excuse-moi, il me manquait un truc. Excuse-moi. Oui, allons-y.
Donc là, c'est la bonne. J'avais presque tout. Blablabla, menu du jour. Offre d'emploi. Voilà, journaux, quotidien sportif, évidemment. On reprend le doublage. Jetez un œil là-dessus. C'est quoi ça? Un journal que j'ai trouvé derrière le porte-revue du Belsima. Bon, et alors? Il n'y en avait pas d'autre, et il est daté du mois dernier. Quoi? Vous voyez où j'en venir? Sorinston ne propose aucun journal d'actualité. Ceci a été oublié par un client. Oh. Ah. Scrogneux. Voilà. Dites-moi pourquoi vous êtes aussi déterminé à me cacher la vérité. Je cache rien. Je vais devoir abréger ces souffrances. Écoutez, la vraie raison pour laquelle vous avez fréquemment au Bellissima, c'était pour Maggie Loiseau. Pourquoi vous me parlez de cette fille d'abord? Elle était serveuse au Bellissima. Oh. Par conséquent, la clé du mystère qui vous pousse un vieil homme à aller boire un café trop cher dans un restaurant miteux, c'est la serveuse. Je ne reconnais pas son visage. Et pour une fois, vous vous dites sans doute la vérité. Car ce n'est pas le visage de cette fille que vous fascinez, mais sa tenue. C'est la vérité, n'est-ce pas? Vous allez régulièrement au restaurant pour relquer la tenue de la serveuse. Cette tenue vous obsède. Je ne supporte pas. Pour vous, cette serveuse était comme... Assez, pitié, arrêtez. Ne prononcez pas ce mot, arrêtez de dire serveuse. Arrêtez. Son esprit est trop faible. Ceci était une magnifique démonstration de mes capacités d'imitateur. Je me marre. Je sais pas comment je vais y arriver pour l'avocat. Non, je peux pas te mettre en tôle. Victor Kudo. D'accord. Chier, mec. T'es énervant. Non. Bon. J'ai un autre poisson à ferrer. Oui. Est-ce que Dictective a fini l'examen du liquide? Parce que ce serait super bien. Non. Très bien. Va décéder. Ouais. Peut-être que je peux vous montrer l'épreuve. Peut-être plus lui montrer les preuves avant de me barrer. Ouais. Ouais, ça aurait été pas mal. Examiner. Tiens, les piafs qui étaient là. Ouais, donc du coup, me présenter. Il n'a pas changé du tout en fait. Bon.
Je crois que j'ai tout lui présenté en fait. Ok. Maya. Oui. Oui, oui. Ah oui, est-ce que tu peux venir? Non, 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 non. Non, 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 tu viens comme ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Monsieur, regardez. Regardez. Non. Non, non, allez. Ah. Fuck. Mia, pardon. Ah, Mia, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié ce genre de transformation. Un génie. Bon, les gens sont pas aveugles alors. Oh putain. N'oubliez pas, toujours prendre plusieurs poses lorsque vous êtes habillé de façon sexy. C'est Mia Faye qui vous le montre. Bon, maintenant la vraie question. Ah, on y est. Ah, ah, ah. T'es en train de me dire qu'il a volé mon Megatana? Un haïku. Ah, alors on y est. Les haïkus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on a eu droit tout à l'heure pendant le truc. Voilà. Ah, oh, c'est beau. Alors, salut poteau. Bah moi non plus, mais ça marche, donc je vais pas me plaindre, j'allais te dire. Casier judiciaire, homme ou femme, méchant, récidiviste. Jojo pose. Ça y va tel...
Ça va tellement. C'est tellement ça. Haïku. En fait, vous faites un haïku et là, Jojo pose. Où est le sac à merde? Pardon, excuse-moi, comment t'es. Non, mais tu t'es changé, d'accord. Ok, non, mais oui. Ah, sac à merde, man. Je voudrais te parler. C'est parti. Oh, attention, je vais essayer de faire un doublage pour monsieur Laboka. Très utile que chier. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas cette sensation. Je dois savoir la vérité. À que s'est-il passé ce jour-là? Ma peine, je vais tout dire, ne faites pas de mal. Hein? On va tenir un nouveau record du monde là. C'était un billet de loterie. Un billet de loterie? L'homme qui est mort ici avait un billet de loterie qui va dire 1 000 000 000 d'euros. 1 000 000 000? Si, ma paix accident, elle le billet. Il a disparu. Le billet a disparu. Je fais exprès de prendre cette voix. C'est l'interprétation. C'est le mobile qui a retenu les procureurs pour faire rouler les mailles. Alors, vous n'avez pas empêché le 500 000 000 d'euros. D'accord, mais je m'en fous. Et pourquoi ne pas m'avoir raconté ça plus tôt? Max, vous avez essayé de me dissimuler l'existence de ce billet de loterie. Et je vais en connaître la raison. Non, seigneur, vous ne me croyez pas. Et vous avez tout dit, tout ce que je sais. Monsieur l'avocat, ce billet de loterie valait 500 000 000 d'euros. Je crois savoir qui l'a pris. Je pense que le billet gagnant qui vous a été volé par cette personne. N'est-ce pas? Monsieur l'avocat, je pense qu'il est fortement probable que ce soit vous. Non! Waouh, c'était un cri drôlement perçant. Même pour un homme comme lui. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Vous n'avez aucune preuve. Il se bat masque de masque. Tan 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 tan. Ils ne veulent pas les meilleurs les autres. Désolé de vous décevoir, monsieur l'avocat, mais je peux vous prouver le contraire. Et voici la preuve que vous n'en êtes pas à votre premier vol. Comment vous... C'était pas le bouton B. C'était pas du tout le bouton B. C'était pas le bouton B, c'était le bouton R. Sac à merde, man. C'est gros sac à merde, man, là. Un nouveau record. Alors, oui, donc on disait... Toi... Voilà, ça en fait un. Voilà, et donc là c'est R, et donc c'est l'haïku de Victor. Quel un poème, ma seigneur, j'adore les poèmes, et grâce. Je vous en prie, lisez, et mettez-y du cœur. Casier judiciaire, homme ou femme, méchant, et laissez des pistes. Je suis désolé de faire remonter tout ça à la surface, monsieur l'avocat. Mais on vous a déjà arrêté pour avoir volé des clients, n'est-ce pas? Dire mio, quel mensonge, vous êtes un menteur. Vous niez donc. Ne m'accusez pas à tort, prego. Et vous en avez la preuve. Si. Et la preuve, vous savez que j'ai volé mes clients. C'était à moi ça. On dirait que les habitudes sont dures à perdre, monsieur Laboka. Quoi, je te cause? C'est mon magatana. Et je l'ai retrouvé dans votre cuisine. Non. Ah. Je suis en train de décider, putain. Ce cri a dû faire exploser quelques vitres. Si.
Elle est une faible pour les babioles et les petits objets. Maman, elle parle toute seule. C'est plus folle que moi. Vous avez volé des mouchoirs, des gants et d'autres objets apportés à vos clients. Si, c'est la vérité. Il y a soit une toute petite fille timide à l'intérieur. Elle est toute timide, si. En plus, cette fois-ci, ce n'était qu'une petite babiole, c'était 500 000 euros. Mano, pourquoi il est volé? Il n'a pas besoin de tant d'argent. Vraiment? Vraiment? Oh, seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai pas vrai que vous avez de sérieux problèmes financiers et que vous avez désespérément besoin d'une grosse somme d'argent, un peu comme ma bite. Ce restaurant est sous le rouge, avouez-le. Oh, vous avez souscrit à un emprunt d'un demi-million de boules. Ce billet de loterie aurait pu vous effacer toute votre dette. Eh bien, monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non. Non. Mais où est-ce que je suis? C'était une imitation de toute beauté que je vous ai interprétée. Ah, je veux un like pour ça. Je veux commenter cette prestation incroyable. Bah bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Space Marines. C'était Godot. Alors là les enfants, Godot vous a appris une deuxième leçon de vie. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, ne regardez pas les bandes annonces. C'est du spoil, putain. Bon bah, poubelle, allez. Merci Victor, au revoir. Ça veut dire que c'est la fin de l'épisode, ça y est. Non, du coup, mais qui était le vrai coupable? Qui est Phoenix Wright? Et surtout, où est le billet? Tout cela dans un prochain épisode. Wouh! C'est terminé, enfin! C'était long, j'ai dû découper cet épisode en deux parties, donc du coup, bah, voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Phoenix Wright Trials and Tribulations jusqu'au bout. J'espère que cela vous plaît. Je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo complètement au pif, d'aller regarder les autres vidéos avant de vous abonner à la chaîne. Si cela vous intéresse, de me suivre sur Twitter @vasarilus1, où je poste quelquefois des news incroyables sur ma vie et sur les prochaines vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like, les commentaires. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.